un petit takedown sur celui qu'on bosse actuellement. Donc souvenez-vous les gars, on tend la bonne posture, on a la colonne droite. La colonne droite, ça ne veut pas dire je suis droit comme ça, comme un ouf, hein, c'est juste que les mouvements qu'on fait, on soit droit. Pensez, là on est sur l'idée où on a le bras avant pour scroller. Et on va faire l'inverse de ce qu'on faisait d'habitude, enfin, hormis là de, pour ceux qui viennent régulièrement, on vient sur l'arrière, d'accord? On va descendre le partenaire, on descend en même temps. Boum, on rentre la tête au niveau de son bassin. Donc, et là on vient en liane très bas et on va switcher. Au moment où on switch, on revient sur l'autre et on passe la tête et on prend le deuxième. Là mon regard doit aller chercher sur le côté. Au moment où je vais me relever, ce que je vais faire comme quand on fait un tornando. Je me lève, je m'appuie sur le gars, et regarde, ma jambe elle part, et je vais décaler ma hanche pour aller sur le côté là. Et je tombe avec mon partenaire, j'ai toujours pas envie de faire mal. On va prendre une deuxième fois. Tu peux continuer hein. Non, on va prendre une deuxième fois. Ah, tu veux que je tombe Donc on est là. Bien, ce qui est intéressant sur cette posture, c'est que en remontant bien, quand de me descendre la tête, on est vraiment sur des postures qui sont solides. Hein. Alors, je ne dis pas qu'on ne sera pas plié, mais c'est intéressant. Donc, je descends, face, diane, je passe sur le côté, je ramène à ce moment-là, et là, quand je remonte, ma jambe, je la ramène, et là, je vais sur le côté. D'accord? Mon but n'est pas de le lever, mon but c'est d'aller courir à côté, me décaler sur le côté, pour éviter d'être prêt en mi-garde. Bam. Hop. Et là mon but c'est pas de faire ça, ou de l'emmener là, c'est remonter là, et partir au contraire à 90, là. Et là, aller dans ce sens-là. Voilà, on bosse ça pour l'instant.